Chez les Lambards, à Piscipauville, on est agriculteur de père en fils depuis 3 générations. Et il y a 8 ans, Pierre a pris les rênes de l'exploitation. Pierre fait du lin, de la pomme de terre et des pommes-fruits qu'il transforme dans sa cidrerie. Donc on fait du cidre, du l'eau-de-vie de cidre, de l'apéritif Normandie, du cidre de glace, du jus de pomme pétillant. Des produits qu'il vend en direct et qui sont aussi distribués par certains hypermarchés et quelques boutiques de la région. Cette activité représente 1/3 de son chiffre d'affaires. Et Pierre Lambard n'est pas à court d'idées. Il y a 1 an et demi, il a ouvert cette enseigne en libre-service qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et depuis fin octobre, il fait aussi relais colis. C'est pas forcément toujours facile en milieu agricole, on a quand même des produits qui sont peu rémunérés et ça nous permet de, sans investissement pour une fois, ce qui est quand même très rare dans le milieu agricole, et on peut, évidemment pour l'instant c'est pas énorme, mais ça fait un complément de revenus sans investissement. C'est que d'investissement en temps. Pierre réceptionne les commandes passées sur une plateforme de commerce en ligne. Des tapis de course, des lave-linges ou encore des frigos américains, bref que des colis volumineux. Il est livré 2 fois par semaine. Tout ça lui demande du temps en plus de son métier d'agriculteur. Pour l'instant, il arrive à être sur tous les fronts, mais au moment des récoltes de l'été, ce sera plus dur. Quand on a beaucoup de travail en pleine, on prévient en tout cas en amont Agricoli et ses discounts pour leur dire que sur telle période, on ne pourra pas recevoir de colis. Ça va faire peut-être un mois où on est non-stop, où effectivement c'est très difficile de se rendre disponible, surtout le soir pour accueillir les clients. Le matin, on peut toujours arriver à se débrouiller, mais le soir c'est plus compliqué, ça coupe une après-midi en plein été, entre 16h et 18h, ça coupe tout, quoi. J'ai un rendez-vous dans 10 minutes, donc je vais ouvrir la porte pour être prêt à accueillir le client. Pour tous ceux qui habitent en milieu rural, la formule est appréciable. Pas besoin d'attendre le livreur, ni de se déplacer dans l'agglomération la plus proche. Je préfère éviter les bouchons sur Isnoville, donc du coup, si c'est bien, ça me permet de récupérer mon colis, c'est parfait. Le problème, c'est que j'étais pas souvent chez moi. Donc, au lieu d'aller chercher à la poste, tout ça, ceci, cela, je viens après mon boulot. Et comme ça, c'est plus facile pour moi. Et pour Pierre, Agricoli permet de mettre du beurre dans les épinards. Cela lui rapporte actuellement 250 euros par mois. Pierre Lambard espère aussi que la partie colis lui amène de futurs clients pour son libre service situé en face et qui peine à décoller. C'était l'idée aussi de base aussi avec Agricoli quand ils sont venus faire l'audit. C'est que comme on faisait une vente directe, sur 2 sites soit, mais au moins il y avait un site qui était en liaison avec Agricoli. Actuellement, seuls 3 agriculteurs normands servent de point relais, mais ils vont être beaucoup plus nombreux dans peu de temps. En France, il serait en effet 1 millier en attente d'un audit de la part d'Agricoli.